Salut mes petits tapins, monsieur. Peste mojo, je ne sais plus parler. Bon, la dernière fois, ça aurait été pour moi, c'est au baseball, où j'ai fermé le baseball et j'ai pas fait assez de combats, donc je n'ai pas débloqué le truc macalène. Le troisième overdraft de... De Waka, putain, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, comme on a dit, ce que je vais faire là, puisque je vais faire derrière pour débloquer rapidement deux overdrive de run, me feront faire mes 250 combats. Ah bah tiens, ça commence direct par le mob sur lequel... Ah, il a guerre contre... Dommage. You place too much trust in your magics. On peut apprendre à quoi souffle contre eux. Voilà. Ah, magique, ça sert à... Là, vous voyez les dégâts que je vais prendre. Et eh bah ben, sans magique, ça serait 400 dégâts sur tout le monde. Bon, feu de Mijigo, c'est sur la force physique, donc c'est un autre truc qu'il faut pour ça. Qui a pas joué? Ah bah, Lulu. As you wish. Waka, pour qu'un jour qu'il débloque quand même... Mettre au courant. Est-ce que je peux les overkill? Don't look so shocked. Oui, Lulu fait le taf. Thinking isn't solving anything. Si, quand même, réfléchir permet de résoudre les énigmes, quand même. Raconte pas trop de la merde, mon petit Tidus. Est-ce que tu peux pioncer, gamin? Non. Pourquoi il faut qu'ils aient tous garde à morpher? D'habitude, je peux pas overkiller les chiméras ou les copos parce que Lulu fait pas ses dégâts. Mais grâce au mog que j'ai eu, au mog, ouais, à la peluche, je peux. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est overdrive x2. Et strictement à rien. Ouais, j'ai juste me taper les mobiles plus chiants, quoi, tout à l'heure. J'ai bien compris. No problem. Thank you.
Je parie que si je suis un anti-eau et un anti-feu, il va me faire foudre plus. On parie? Putain, je devrais être devin, moi. Ah ouais, mais il s'en fout, il a un nu. Vous voyez, je suis devin. Je sais pas pourquoi. Je l'avais deviné. Attends, je crois que ça fonctionne, ce lien contre eux. Ah oui. Tu maries. J'ai eu fait à peu près dans les minutes. Oh, le triple 7. GG. Tue les fils de pute. Désolé, c'est sorti tout seul là. Lulu a pas gagné d'XP, en plus j'ai pas fait d'overkill. Ah, j'ai dit, c'est quand que je vais avoir des mobs normaux. Et quand je me tape le schéma normal de mob de cette zone? Parce que là je ne tape que les copos et les chiméras. Chiméra. Have you seen Donna? Nope. Donna? Can't say I have. What's up? We got separated on the way here. Damn it all! I've gotta find her! Calm down. But if anything happens to her... Running around in a panic is not going to help. Right now, you have to keep cool and search. But... Guard your emotions, then guard your summoner. You're right. Shall we search? No, I've taken up enough of your time. Thank you, Sir Aran. What's up? Oh, I just wanted to wish him good luck. Tout ce que j'ai à dire, c'est pas une grosse perte, hein. Désolé, j'aime pas Donna. Ah non, non, ils ont décidé de me mettre que les trucs chiants. Everyone, focus on the enemy.
Oh, je fais pas la même erreur que tout à l'heure. Hein. Je fais directement je fais avec elle. Non, mais le drop du pampa que j'ai eu quand même là, qui fait que j'ai 15%. J'ai 15% d'attaque magique, mais. C'est juste du gros cheat quoi. Franchement, 15% sur vue, c'est super utile quoi. Là, franchement, j'ai vraiment eu de la peine. J'ai jamais eu, dans toutes les parties que j'ai faites, j'en ai fait des centaines. Hein. A butterfly with rainbow wings will lead the way to secret things. Alors je vous conseille de faire la chasse aux papillons de cette zone parce que dans cette zone, à ce stade du jeu, ça donne une sphère MP. Ah bah tiens, quand je parlais de bombes normaux. Out of my way. Désolé, je doute que ceux-là, je l'ai aux overkill. Hein. Ah si, les 15% fait que j'ai overkill. Est-ce que silence va passer? Ouais. Ça en sent plus, là. Puisqu'il a perdu... Bon, Riku doit jouer. Oran doit jouer. Oh, autant faire jouer tout le monde sur ce genre de combat. Ça oublie. En plus, c'est un coup critique. Ah non, d'habitude... Ah, d'habitude, j'overkill rien avec elle ici. D'habitude, à ce stade du jeu, j'overkill que dalle. Hein. Dans la zone-là. Il lui manque à chaque fois un peu de dégâts pour... Non, je ne connais pas les trajectoires par cœur des papillons, c'est pas vrai, votre honneur. Et juste là, de temps en temps, je me foire. Alors, j'attends que le temps se finisse, parce que si je touche un papillon rouge alors que le temps est en train de s'écouler, je vais me taper les ennemis. Et les ennemis sont vachement plus résistants, je peux pas les overkill. Car ils sont deux fois plus résistants, ils font deux fois plus mal, je crois. Un truc comme ça, mais il y a un pourcentage d'augmentation de dégâts. Et de résistance. Voilà, c'est RMP. Ce qui est bien, c'est quand t'as fait le jeu du papillon, c'est que tu peux plus te faire aggro. Donc une fois que tu l'as fait, t'es tranquille. L'autre zone, l'item il sert à rien, c'est un item basique. Hein. Donc je m'en bats les couilles. Juste pour voir, est-ce qu'elle a de la magie pas loin? Non. Donc aucun intérêt. Ah! Enfin les mobs normaux! Ah, c'est l'arme de glace qu'il faut. Poudre. Quoi, j'équipe correctement mes mecs.
Non, le papillon, il est pas là. Hein. C'est pas le papillon qui déclenche le jeu. Le papillon, il est à la fin de la zone. Regardez Seigny, je l'ai toujours pas montré Seigny. À quel point c'est puissant sur eux. La meuf, elle fait 1200 dégâts, elle régénère 2200. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Fais quand même l'anti-haut. Ça mange pas de pain. Ouais, avec Sony plus délai, les mecs, j'ai mis touche. C'est amusant. Ouais, non, on va pas faire jouer Oren là-dessus. Hein. Du moment qu'elle puisse overkill les chiméras, c'est tout ce qui m'importe. C'est l'overkill pas les élémentaires d'eau, Osef. C'est pas celui qui rapporte le plus. Ah, un coffre ici. You're wasting our time. Ah, moi qui a pris combativité. I foresee no difficulty. Allow me. Cette zone aussi est bien pour XP. Overdrive, de, je crois que c'était Waka. On s'en fout, Yuna, Saltruise, Causalité, Combativité, ouais c'est bon. J'ai juste lu qu'il manque Combativité. J'ai de faire trop de dégâts, pitié. J'aimerais pouvoir overkill. Ah mais, je suis sûr d'overkill le prochain boss et sans avoir besoin d'overdrive. Moi qui vous le dis.
Elle dit 45 minutes? Attends, j'ai commencé à quelle heure? Non, ça fait plus de 20 minutes. Well, holiday prices on all items in celebration of Maester Seymour Guad. Initiative, ça peut être utile. On va tenter une brosse en football de glace. Il y a une balle de glace, oui. Kagero, attaque physique, ça peut être utile. Plus de force, on s'en fout. Un autre balle, on s'en fout. Lame de célérité, ça peut être très utile. Je gagne le poignet pèlerin, pas trop utile. Too expensive, you think? J'ai jamais eu qu'on lui répond pour qu'il faisait des réducts ou quoi. Alors normalement ici t'as Manuel Delbet qui traîne ici, là dans le petit chemin là. Faut le savoir, faut le voir. Alors, vu qu'il va y avoir un certain boss, là, je vous déconseille de déséquiper toutes les armes élémentaires que vous avez. Étant donné que c'est un boss qui change tout le temps d'élémentaire pendant le combat, je prends là parce que c'est un peu de HP, et les HP ça fait toujours du bien. Ah, ça du jeu, faire métacombe sert plus à rien, j'ai largement de quoi faire. Voilà, c'est cette zone du cercle que je parlais, où je peux, là, pour Auron reprendre un peu plus de force, un peu plus de HP, et pour Tidus, bah, prendre de la force, avec 4 points de force, prendre des HP, un peu de constitution, là où leur série se croise. Je vais la donner à elle, à RMP. Ouais, on a 15 points de force dans son série, je me suis toujours demandé à quoi il servait. Là, j'ai une compétence que j'ai quasiment pas envie de prendre parce que cyanure, c'est un truc que j'utilise jamais. Les cyanures, ça t'empêche de faire des overkill. Donc, je trouve ça chiant. Car quand le boss meurt à cause des dégâts du cyanure, ah bah merde. Car t'as besoin d'overkill tout le boss du jeu si tu veux avoir dans le sphère XP, avoir toutes les sphères qu'il faut pour ouvrir tous les emplacements du sphère. Car dans le jeu, le truc plus rare, c'est les sphères de clé niveau 4 et c'est les boss en général qui te les donnent. Et comme tu peux en avoir deux fois plus quand tu es overkill, c'est plus rentable. Or, pour overkill le prochain boss, il faut faire plus de 2000 de dégâts lors d'une attaque. Donc, normalement, là, j'ai largement de quoi faire les dégâts avec Lulu. Oh, autre truc aussi pourquoi je préfère, je l'ai déjà dit, mais c'est pour apprendre dissipation parce que j'en avoir besoin dans pas longtemps de dissipation. C'est très très utile. Bien sûr, en plus, ce petit demi-tour me permet, après Riku, de rattraper Kimari au niveau de l'avancement du serrier. Aussi. Mais c'est surtout pour apprendre dissipation. Car ça va être très utile pour... Au troisième boss qui va suivre après ce point de sauvegarde et au quatrième boss.
It is here. Somewhere. What's here? Something you should see. But... Sir Orin... It won't take long. J'ai oublié d'enlever les armes élémentaires. RIP la forêt. Je vais te mettre à dos Greenpeace, mec. Laissez-moi enlever mes armes élémentaires, pitié. Il s'en fout. Voilà pourquoi j'ai pris de l'âme de sécurité, parce que j'ai aucune arme anti-lémancine. Information. This place. It's just water, isn't it? This is what spheres are made of. It absorbs and preserves people's memories. What's that? Fiends are also attracted to these places. La métasphère. Je sais pas c'est quel élément, donc je risque pas de tuer quoi que ce soit. J'ai besoin de savoir de quel élément il est. Je m'en fous, c'est pas des geeks matériels. Je veux savoir quel élément il est, donc il faut faire de la jeu. Pour lui faire mal là. On va voir combien je lui fais de dégâts. Ouais, il faut que je fasse 2000 de dégâts pour l'overkill. Juste avec une attaque de base, ça passe. Toujours l'eau, ok. J'ai même pas besoin de faire d'overdrive. Lulu va s'en charger comme elle veut. Du boss. On va faire jouer Luna, après Reskimari et l'autre. Bon, il est accroché à la flotte. Hein. Première fois que je vois le mec toujours avoir le même élément. C'est assez rare. Bon, on va faire jouer plutôt Waka pour être sûr. Pour après, je puisse l'enchaîner comme j'en ai envie. Bien sûr, les boss sont vulnérables au sommeil. Question si tu peux pas analyser le mob. Ah tiens, il a changé d'élément. Je le fais maintenant. Je vais mettre les personnages qui font le moins de dégâts possible. Aurait été de le tuer par inadvertance. Encore l'âge de zoo. Et voilà, overkill. Si vous faites tout de suite 2000 de dégâts avec Lulu, vous pouvez l'overkill. Sans overdrive. Et le moyen pour savoir de quelle faiblesse élémentaire, vous faites une attaque physique qui ripasse un coup de magie. Et la magie que tu utilises, bah, il a faiblesse à l'autre. À son contraire. Facile ce mob.
Whoa, this is old. Don't know if you can play it back. Ject left it here 10 years ago. Play it back. Mm-hmm. What are you taking? Well, you said it was gonna be a long trip. We'll be seeing a lot of neat things, right? So I thought I'd record it all in this. To show to my wife and kid, you know. This is no pleasure cruise. Hey, Braska. Ain't this supposed to be a grand occasion? Where are the cheering fans, the crying women? This is it. Too many goodbyes. People think twice about leaving. If you say so. Well, it better be a lot more colorful when we come back. A parade for Braska, vanquisher of sin. We should go. Day will break soon. Auron, could you stand closer to him? Good. That should do it. What's the matter? Afraid I might bite? Jacked. Braska, you should take one too. It'll make a great gift for little Yuna. I suppose. Lord Braska, we shouldn't be wasting our time like this. What's the hurry, man? Let me tell you what the hurry is. Auron! What's the point? He wasn't on some pleasure cruise. I think there's more. Hey, if you're sitting there watching this, it means you're stuck in Spira like me. You might not know when you'll get back home, but you better not be crying. Although I guess I'd understand. But you know what? There's a time when you have to stop crying and move on. You'll be fine. Remember, you're my son. And, well, never mind, I'm no good at these things. I believe in you. Be good. Goodbye. He sounded almost serious, but it was too late. He was serious. Ject had already accepted his fate. His fate? Ject, he was always talking about going home to Xanarkand. That's why he took all those pictures, to show them to you when he returned. But as he journeyed with us and came to understand Spira and Braska's resolve, it happened gradually, but Ject changed. He decided he would join Braska in his fight against Sin. So then, he gave up going home? That was his decision. I guess I understood. My old man, he knew there was no way back home, back to Xanarkand. He wanted to go home, but he knew he couldn't. He couldn't go on until he accepted it. Besides, even if he had found a way back, I don't think he would have left his friends behind before their journey was complete. All right! Let's go, guys. Maybe I had to start accepting my own fate.
Là, je vais faire un long détour parce que justement, ces atmosphères permettent à Oren d'apprendre un overdrive. Et sauf que là, c'est le deuxième overdrive qu'il apprend. Et moi, c'est le troisième overdrive qui m'intéresse. Et ce qui est bien, c'est que pas loin d'ici, il y a plein d'autres serres. Yeah. Jekt loved you. Oh, come on, please. He just didn't know how to express it, he said. Enough about my old man, okay? I just thought you should know. Okay. Thanks. Donc je vais faire un long détour, mais vous inquiétez pas, le détour il sera pas long, étant donné si j'étais en live et que j'aurais normalement, je m'amuserais à tuer tous les monstres que j'aurais sur ma route. Mais là, comme je dois montrer comme quoi que sans farmer tu t'en sors facilement dans ce jeu, je ne combattrai pas les mobs, je ferai décamper. D'où l'utilité d'avoir l'épée avec initiative, qui permet d'être à coup sûr que Tidu commence avec un tour d'action. Donc, de fuir direct avec décamper les combats. C'est pas pour rien que j'ai acheté la sphère. Vraiment pas pour rien. Du moins acheter la sphère, du moins acheter l'arme. Et mon chemin est rodé, moi. Vraiment, tout est rodé, moi, dans mon truc. Je laisse rien au hasard. Et en plus, comme je viens de tuer la métasphère, le raccourci débloqué ici, c'est un gros chemin où tu peux pas te faire attaquer par les mobs. Donc là, j'ai traversé toute la forêt de Macalania sans faire aggro. Ce qui est pratique, n'est-il pas? Là, la deuxième sphère, il faut en tout récupérer trois sphères. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est trop dans la sphère, dans la plume foudroyée. Who are you? You are the one they called Jekt. Man from Xanarkand, are you not? What of it? Watch your tongue, knave. Ah, my apologies. I am Braska, a summoner. I've come to take you from this place. Sounds sweet. What's the catch? That easy to see, was it? I soon leave on a pilgrimage to Xanarkand. Seriously? I would like you to join us. It will be a dangerous trip. Yet, if we do reach Xanarkand, my prayers will be answered, and you will be able to go home, we think. What say you? Great, let's go! So quick. Anything to get out of here. Then it's settled. But I must protest. This drunkard, a guardian? Hey! You want to step in here and say that? What does it matter? No one truly believes that I, a fallen summoner wed to an Albed, could possibly defeat Sin. This is what they say. No one expects us to succeed. Braska, sir. Let's show them they're wrong. A fallen summoner, a man from Xanarkand.
and a warrior monk doomed to obscurity for refusing the hand of the priest's daughter. What delightful irony it would be if we defeated Sin. Stop gabbing and get me out of here! Free at last! Now, Jekt. I am in your hands until we reach Xanarkand. Right. So, what's a summoner anyway? Un narfoker. Voilà, c'est un jeu de mots parce qu'il a mal compris summoner en anglais, donc là, ils ont fait un jeu de mots sur le terme en français. Peut-être pas ça le jeu de mots, mais le jeu de mots reste... va dire les guides. Même si c'est une erreur de travail. C'est une adaptation de la blague. Du moins de l'incompréhension que fait Jet. Donc ça passe l'erreur de trad. C'est fait exprès. À mon avis, les passages, je le mettrai en accéléré, je le couperai pas. Aïe, je le mettrai en accéléré pour bien vous prouver comme quoi je ne triche pas, que je ne farme pas. Why am I doing this? What do you see there, my lord? Oh, I was just... thinking. This is important! No fooling around! You're gonna spoil it! Whoa! Are you alright? Now there's a scene for posterity. Au moins, il rigolait bien, Braska. Voilà, éradication. Le meilleur overdrive de Overrun parce que éradication inflige en un tour. Quelle sauvegarde? Hasard 28. Bon, on va voir le baseball. Faire chance. Avec du tigre. Bon, normalement, au bout de 5 resets, normalement 5 ou 10 resets, j'ai toujours pas. C'est-à-dire que j'ai pas fait assez de combats. Hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, pour vous, ce qui est bien, à part le moment-là qui sera pas coupé, pour vous, ça sera coupé jusqu'à ce que j'atteigne la sphère de sauvegarde. Pour vous, ça ira vite. Ah, la magie du montage.
Mais pour moi, je dois me retaper les temps de chargement après les temps de reset de merde. Je vais juste laisser le passage là pour montrer à quel point c'est long entre chaque recharge de partie. Vous comprenez à quel point c'est chiant pour moi de faire ça. Sur PS2, c'était moins long les temps de chargement. Plus on avance dans les technologies, plus les temps de chargement sont longs. Je trouve ça con. Avant, t'avais une NES, tu mettais la cartouche, t'allumais, poum, direct. T'avais le jeu, ou une Nintendo 64. Maintenant, t'as des putains de temps de chargement abusifs, je trouve. Tristella. C'est un bon item, mais c'est pas ce que je cherche. De me balader pour fuir des combats. Alors, je crois juste assister à des combats, les filles, ça fonctionne pour les comptes des 250 combats. Ah putain. Attends, le premier overdrive que j'ai eu. Combo. C'était sur un tournoi. Donc le prochain, c'est bien sur un combo. Je ferai fuir les combats plus tard, parce que là, j'ai la flemme du reset. Non, j'ai pas fait assez de combats. Non, là, j'ai toujours pas eu. Bon, moi, sur ce, je vous remercie de regarder, on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite, donc sur ce, merci, et salut.